Bonjour tout le monde, nous sommes dans l'épisode 22. Et en fait, quand on est Oni Link, j'avais complètement oublié. D'ailleurs, c'est pas marqué. Mais normalement, quand on appuie sur T, on sort du donjon actuel. On revient à l'entrée du donjon. Et alors ça, j'avais complètement oublié. Du coup, voilà. Une vidéo passée à rien faire, désolé. Link, c'est Zelda, je te parle par télépathie, c'est terrible. Ganon est de retour. Il a recréé son armée qui s'apprête à attaquer Roru. Tu peux encore les arrêter, va vite les intercepter sur la plaine ouest. Mouep. La plaine ouest. Ok, c'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il me reste à faire d'autre? Il me manque un fragment de cœur, ça m'embête. Ah, je sais où il est. Ah. Je crois savoir où il est. Parce que... Ah mince, chaque fois je me fais avoir. Parce que j'aimerais quand même finir le jeu à 100%. Au nord-est du désert, il restait un endroit où j'avais besoin, si je me souviens bien, et si je survis, de la baguette de feu. Ouais. Et logiquement, c'est le dernier fragment de cœur du jeu, puisque j'en ai 3, et que là, je vais du coup avoir les 20 cœurs. C'est plutôt une belle prouesse et je suis assez content. Ça y est, j'ai le max de cœur. Max de chez Max. Alors, quoi d'autre comme quête annexe qui pourrait me manquer? Les monstres. J'ai tout là, tout là. Pas tout là. C'est peut-être normal, c'est peut-être dans le dernier donjon. Tout là et pas tout là. Et tout là. Bon. Ça, impossible de savoir. Les objets, épée 5, bouclier miroir, code de maille rouge, ça a l'air pas mal tout ça quand même. Hein. Force 5, défense 5. J'ai le demi de magie. Je pense que je suis bien parti pour avoir les 100% quand même. Alors le village de Roru, c'est celui-là. Il paraît que vous faites attaquer. Bon, pour l'instant, ils se sont pas fait attaquer. Ah, il y a du monde. Ah, ça y est, j'ai un nouveau monstre déjà. C'est marrant qu'ils gardent les monstres là, les gardent comme ça pour la fin du jeu. Alors que dans Link to the Past, c'est un peu mes ennemis de base, quoi. Alors je voudrais juste noter quelle heure il est. Il est 1h19 du matin. Sinon ça serait pas rigolo. Ouais, donc là quand j'ai commencé la journée, enfin quand j'ai commencé les vidéos cet après-midi, j'étais à l'épisode 9. Je venais de sortir du Colisée en fait. Tout le reste, je l'ai fait là. Je l'ai fait cet après-midi et ce soir. Mais c'est loin d'être mon record parce que. Oula. Un jour dans le let's play de Zelda 3T. Puisque oui, j'ai joué à Zelda 3T avant, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Je vous l'ai déjà dit. Et donc oui, quand j'ai fait le let's play de Zelda 3T, il y a un jour où j'ai fait 18 épisodes de suite, dans la même journée. Tellement j'étais à fond.
Bon, ça, c'est pas trop dur ce truc. Pour l'instant, je me suis fait toucher une seule fois. Link, c'est Zelda, félicitations, Roru est en sécurité pour le moment, va à la tour du destin au sommet de la montagne. Ah bah justement, c'est là que je voulais aller, et stop Ganon. Ok. Pour y aller, faut passer par le village de Mido. Donc on va prendre le champ de l'envol. Non, si. Ah mais cette fois-ci je vais y penser, alors là. Prendre des potions rouges. Je vais pas refaire le même coup. Donc la principale difficulté, c'est de trouver où sont les magasins là-dedans. Parce que je confonds toutes les maisons. Non, ça c'est la maison de lui, là. Eh ouais! Ça c'est la maison de elle. Ça c'est une boutique. Ça, c'est elle. Où est-ce qu'elle est, la boutique de potions? Ah, elle est là. Allez, bah moi je prends que des rouges. Ensuite. Ensuite, on va aller par là. J'espère que je vais avoir les 100%. Alors, il faut d'abord que je sois maléfique. Malfaisant. Voilà, laisse-moi passer. Et ensuite, bienfaisant. Tout simplement. Ah d'ailleurs, ça me fait penser que maintenant que j'ai le masque, j'aurai le droit de retourner dans le village tout au sud-ouest. Village de Kazuto. Mais je pense que j'avais tout trouvé dans ce village. Donc ça devrait pas être nécessaire. C'est beau. Y a pas d'avion, y a pas d'ovni, de vaisseau spatial cette fois-ci. Ou de soucoupe volante. Ah, on peut pas passer là. Alors, c'est ça la tour du destin. Héros d'Hyrule, prends garde, ici trône désormais le vil Ganon, ici se jouera l'avenir du monde. Ça sent la fin quand même, hein. Moi je dis, ça sent la fin. C'est beau. C'est une musique de Secret of Mana, ça, non? J'entends pas très bien parce que je mets pas la musique trop fort dans mes oreilles. Et puis j'ai l'impression que cette musique on entend moins que les autres. C'est dommage parce qu'elle est cool. C'est la musique du Fort Mana. Donc c'est vraiment la musique de la fin du jeu. La carte. Ok. Le donjon, il a la forme de Ganon lui-même. En gros, hein. C'est vrai.
Ça ressemble beaucoup au château d'Hyrule de Zelda Return of the Hylian. Pour le moment. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de tuer tous ces gardes? Je crois pas. Mais bon, si jamais. Dans Return of the Hylian, j'avais raté une clé comme ça. J'ai refait tout le tour alors que c'était le dernier garde qui avait la clé. Ah d'ailleurs, je peux faire ça. Je suis peut-être plus puissant quand je suis en comme ça. Ah ouais. Parce que les bleus, là, j'ai besoin de 3 coups. 1, 2, 3. Ah ouais. Moi, je vais mettre comme ça alors. Je suis un tout petit peu plus vulnérable par contre. Ah, bon, j'ai eu raison. Vraiment, je tue tout le monde. Ça m'évitera quelques allers-retours inutiles. Oula, calme, calme, calme. Où suis-je? Je suis là, mais j'ai une clé. Donc je peux aller là. Ah, ça rappelle quelque chose cette salle. C'est marrant, j'ai des bribes de souvenirs. Très vagues et très dispersées de ce jeu. D'ailleurs, je peux pas passer. Non, je peux pas passer. Et là, je peux tomber. Ah ouais. Il y a probablement un intérêt à tomber. Pas de mur fissuré. Je suis presque sûr qu'il faudrait tomber là, mais bon. On essaiera plus tard. Là aussi. Là aussi. Pas là. Là oui. Ok, j'ai fait tout le tour. Maintenant, j'ai plus qu'à essayer de tomber dans les trous que j'avais dit. À commencer par ceux-là. Ah, c'est bien, je peux le tuer de façon sécurisée, là. La boussole, ok. De toute façon, si je veux finir le jeu à 100%, il me faut la boussole. Quand on remonte? Je me souviens plus par où on monte. Non, ça c'est pour descendre. Et ça pour monter. Ah! J'étudie encore la carte. Oui, au rez-de-chaussée, j'ai déjà tout eu. Au premier, il me manque juste les endroits où il faut tomber par les trous. Tiens, j'ai enlevé le masque. Il faut appuyer sur X. Non, c'est pas là.
Voilà. Je tombe. Voilà la fameuse clé. Par contre, il y a encore d'autres trous qui sont cette fois-ci au nord. Ouais, c'est ça, au nord. Donc, il faut que j'essaye aussi de me laisser. Oups. Me laisser tomber par ces trous-là. Ah, ça passe pas. Ok, et ben là, il n'y a rien du tout. Bon, en tout cas, j'ai ma clé. Oh, ça c'était sûr. Non, c'est à droite au début. Bon. Je monte. Ensuite, je vais à gauche, je monte. Je continue par là. Ensuite par là. Ensuite, on va essayer d'aller vite en fait. Alors, il faut que je tombe au bon endroit, c'est ça? Ah ouais, coffre plein milieu. On va dire là. Ah voilà, la clé du boss. Oh bah c'était pas si dur. Y a pas une petite main pour me ramener là? Pour faire sauvegarder et quitter. Ce reste le boss final. Ah, Aghanim. Ça y est, je suis lapin déjà. Oh, les machins, ils restent coincés dans les dans la torche. C'est génial. C'est pratique. D'économiser les potions rouges. Quoique ça devrait aller, je pense. Allez, encore un coup. Que j'évite de me faire lapiner. Ah bah voilà, c'est fait. Oh, c'est bon. Waouh. Ah, facile, j'ai appuyé sur T. J'ai eu du mal à trouver, hein, mais franchement. Pourquoi tenter de te venir m'affronter? Même si tu me terrasses, je reviendrai toujours à la vie. Ça, c'est vrai. Ta quête est vaine, abandonne tout espoir. Let's rock, baby. Mais non, ma quête n'est pas vaine. Regarde, j'ai des flèches d'argent. Oh, il y a des éclairs dans le ciel. Oh, qu'est-ce qu'il lui prend? Ouh, il m'a eu là.
Allez, let's rock, baby. Donc il m'a fait perdre 5 heures, ok. Du coup, il peut me toucher 3 fois et après, il faut que je prenne une potion rouge. Pour l'instant, ça va, il est pas très dur. Il aime très facile en faisant comme ça. Ça marche plus? T'es immunisé? T'es immunisé aux flèches d'argent? Et à l'épée? C'est moins cool d'être immunisé à l'épée. C'est quand même l'épée 5. Tu pourrais faire un effort. Allez, let's rock again. Oula, merde, il m'a eu. 1, 2, 3, et après ça devient dangereux en fait. Donc là, il a la moitié de la vie, et maintenant l'épée ne lui fait plus rien. L'arc ne lui fait plus rien. Il faut que je me mette en comme ça, je pense. Ah ouais, ça marche bien. Est-ce que je prends une potion? Non, je vais pas prendre de potion. J'ai envie d'avoir d'identifier les différentes phases du combat. Parce que je sais pas si c'est la dernière phase ou pas. Ça me paraît trop facile pour l'instant. Ah! Troisième phase. C'est quoi ces machins verts? Ah, c'est tout! Tu as trouvé la Triforce! Ouais! Débarrassé de la malédiction de Ganon, Link put retourner à Hyrule sans risque. La Triforce, Excalibur, ainsi que l'Ocarina furent remis à la famille royale d'Hyrule, tandis que le masque de Link fut confié aux fées pour être caché par-delà le temps et l'espace. Faudrait faire pareil avec la Triforce, qu'on soit tranquille. Le portail menant à Termina fut scellé par la princesse Zelda et par Pete pour ne plus jamais être ouvert. Et ce terrible chapitre fut effacé de la légende. Le peuple d'Hyrule ne sut jamais ce qui se joua dans les mystérieuses contrées de Termina, ni que le redoutable Ganon, ou Ganon, c'est comme vous voulez, préparait déjà son retour. Moi j'ai jamais su décider entre Ganon et Ganon. Du coup je dis les deux. Mais ce que personne n'ignorait fut le retour à Hyrule de son héros qui sera toujours là pour défendre le royaume face aux ténèbres. 100%! Yes! Trop cool! Mort 48 fois. Alors là, quand même, 48 fois en combien d'épisodes? 22 épisodes, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup. 16 quarts de cœur, 85 objets, 62 ennemis, 100%. Rang héros des demandes. Ah, je suis content, j'ai eu les 100%. Ah voilà, ça nous fait un rang de plus. Rang des 100%. Alors, rang ultime. Finir le jeu sans mourir avec 15 cœurs maximum, sans flacon, sans grande fée, sans changer de tunique, sans bouclier. Donc en fait on est obligé de rester sans changer de tunique, ah ouais. On est obligé de rester avec la défense minimale quoi. En gros faut arriver à tuer les boss sans prendre la moindre blessure. Et puis si on meurt, il faut faire sauvegarder, enfin il faut faire quitter sans sauvegarder, et bien, il faut recommencer au début du donjon. Enfin, ou au début du boss. Dans Zelda Return of the Hylian, c'est pas si dur. Et dans celui-là, je sais pas. Rang de rapidité, 4 heures. Ça m'a pas l'air très difficile. Ok, bon alors là, je suis un peu fatigué. Il est 1h39 du matin. Je vais aller me coucher, et puis je reprendrai dans quelques jours, je pense. M'occuper de ces deux rangs. Voilà, voilà, et ben merci à tous. Merci à Vincent, une fois de plus. J'ai bien apprécié ce jeu. Ouais, c'était quand même cool. Bravo. Que dire d'autre? Voilà, voilà. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!